William Arlotti pour le Fashion Post, au Lido, dans la loge de Manon, Paris Merveille. Manon, on vous a découvert dans un écran, 16/9. On vous retrouve dans une scène panoramique à 360 degrés. Ma première question, comment s'est passée cette transition de la télévision à la scène du Lido? Bah écoutez, en sortant de The Voice, j'ai eu un appel qui m'a beaucoup surpris de monsieur Yvan Cassar, donc qui produisait les chansons pour le spectacle Paris Merveille, et qui m'a dit est-ce que ça te dirait de faire des voix témoins, ce qu'on appelle des voix témoins, donc pour une maquette, parce qu'on recherche une meneuse de revue et on aurait besoin de voix pour essayer les chansons. Donc à la base, c'était ça. Donc j'ai été plusieurs fois en studio, j'ai fait des maquettes pour qu'ils trouvent la meneuse de revue du spectacle. Et puis 6 mois ont passé, et puis un jour il me rappelle et il me dit « Bah écoute, on a fait le tour du monde, on a cherché une meneuse de revue, et tu as tellement mis ton empreinte dans les chansons qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un d'autre qui les chante comme toi. » Paris, par un trou de souris, Paris, il paraît qu'on y entre. Paris, pas vu pareil pays. Depuis, je suis sorti du ventre. Au pays des lumières, même la nuit resplendit. Je vis sous la poussière, mais je vis à Paris. Paris, on s'y sent si petit. Paris, de toi je veux m'éprendre. Paris, mes rêves prendront vie. Paris, toi seul peux les entendre. Je serai un corsaire voguant vers l'infini, et les deux bras ouverts je t'étreindrai. Paris, Paris, dans mon cœur c'est blotti. L'espoir d'un jour devenir une grande. Si je suis ventre à terre, habillée en quenille, je m'élève et je sais que l'avenir peut changer et que cette ville sourit à ceux qui lui disent oui. Appelez-moi Lady Paris. Donc est-ce que toi tu veux être meneuse de revue? Donc sur le coup, un petit peu choquée parce que je me suis dit... Belle surprise. Oui, belle surprise. Et en même temps, je me suis dit, mais est-ce que Franco Dragone, le créateur du spectacle, m'a vu? Est-ce qu'il a vu que je faisais pas 1m75, que j'avais des tatouages partout, que j'avais les cheveux rouges? Oui, c'est pour ça qu'il te veut. Donc c'était une très belle surprise et voilà comment je me suis retrouvée là. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce spectacle... Toutes les beautés diversifiées sont sur scène parce que les danseuses sont différentes. Vous, j'ai envie de dire que vous êtes unique et votre voix aussi, elle est unique. Alors, dans cette idée justement de donner au public, parce qu'on est venu vous voir, c'est juste sublime. Cette envie de donner au public, d'être généreuse parce que vous donnez énormément, ça vous l'avez toujours eu en vous? Pour moi, la musique, c'est ça. Moi, ça me permet aussi de laisser sortir certaines choses qui sont à l'intérieur de moi. Et en même temps, donner aux gens... moi, quand je vais voir un concert, j'aime pleurer, j'aime ressentir des choses. Et c'est ce que j'ai envie de faire. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour donner du bonheur aux gens. Et moi, quand les gens reçoivent du bonheur, ils m'en renvoient aussi. Donc du coup, c'est un échange. Et c'est la plus belle chose que j'ai dans ma vie, en tout cas pour l'instant. Alors imaginons qu'on ne se rencontre pas, je vois une photo de vous Manon, en fin de compte vous incarnez d'un point de vue sémiologique différentes valeurs. Il y a déjà la dimension rock, la rebelle, le tatouage, et puis il y a cette chevelure rouge, enflammante, qui touche à la magie dans l'inconscient collectif. Donc vous êtes une nouvelle meneuse de revue, parce que Paris Merveille casse les codes. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette aventure Paris Merveille? Ce qui m'a séduit déjà, c'est le lieu, le Lido. C'est quand même dans l'esprit des gens, je pense, le plus beau cabaret de France. Moi, je pensais notamment à Lynn Renaud. Je me disais, voilà, elle a été meneuse de revue. C'est une dame que j'adore. Donc déjà ça. Et puis, justement, le fait de prendre le parti pris de dire, on va casser les codes et on va mettre quelqu'un de complètement différent. Je trouvais que c'était intéressant, justement, de ramener ma patte à moi, ma personnalité. Parce que je pense que des gens qui ont une belle voix, il y en a énormément. Mais que le plus important pour moi, c'est d'avoir le charisme. Alors attention, je suis pas en train de me jeter des fleurs. Mais... Moi, j'ai envie de dire le petit twist.
qui fait la différence. Voilà, avoir la personnalité qui fait que ça va faire que le spectacle va prendre une ampleur encore plus grande. Le charisme, je vous rassure, vous l'avez. Hein. Merci. Je vous rassure. Les chansons. Tout à l'heure, vous me confiez que donc vous faisiez ces voix. On cherchait une meneuse de revue. Vous êtes vraiment habité par les chansons. Comment est-ce qu'on arrive à posséder, s'accaparer, prendre possession d'une chanson? Alors, il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que Yvan Cassar a quand même créé les arrangements et les chansons autour de moi. Par la suite, il les a transformées. C'est un style qui me colle à la peau. Si les chansons ne m'avaient pas collé à la peau, je pense que je n'aurais pas pu faire le spectacle. Mais là, ça a des airs d'Edith Piaf, des airs d'Amy Winehouse, d'Adèle. C'est tout ce que j'aime et tout ce que je suis vraiment dans la vie à côté du Lido. Donc au final, je me retrouve complètement dans le spectacle. Et puis, c'est des chansons, je vais prendre notamment Angel. C'est une chanson que je peux chanter des milliers de fois. Ben, j'ai toujours envie de pleurer à la fin et je la ressens toujours et je la fais tous les soirs différemment parce que c'est vraiment des chansons qui me prennent les tripes. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est de vraiment vivre ce que je raconte et voilà, et de faire passer encore une fois des messages aux gens. Elle brille. Sur où elle était, les Parisiennes, les Parisiennes. Suivons-les, elles nous emmènent dans la nuit. Elles sont notre étincelle, les Parisiennes, les Parisiennes. Sous leur dentelle, les voiles qui viennent. Nous électrise sans qu'on nous prévienne. Les Parisiens, les Parisiens, les Parisiens. Sous leur dentelle. Voilà qui vient. Parisienne, 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 insoumise, parisienne, 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 passionnée, passerelle. Aujourd'hui, pour un artiste, pour une artiste, la musique a été dématérialisée. À part les concerts, alors le vinyle n'existe plus. Hein, je ne sais pas si vous avez connu les vinyles et les cassettes, hein, vous êtes un peu trop jeune. Mais comment est-ce qu'un artiste peut exister aujourd'hui? Là, c'est une question qui est plus générale. Vous existez sur la scène du Lido, mais comment un artiste, un chanteur peut exister? En ce moment, je pense que soit vraiment on fait un tube et on passe en radio et ça tourne à fond et c'est le tube et voilà, ça cartonne. Soit effectivement, et moi c'est le choix que j'ai fait, c'est de peut-être être un peu plus dans l'ombre qu'avant. Donc effectivement, on ne me voit peut-être plus à la télé, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais je suis sur scène tous les jours et pour moi c'est ça être artiste et c'est ça que j'ai envie de faire toute ma vie, c'est faire de la scène et faire des concerts et me produire, que ce soit dans la plus belle salle du Lido ou même si un jour je devais retourner comme quand j'étais jeune ou chanter dans des restaurants ou dans des clubs privé, je le ferai parce que pour moi c'est ça, c'est chanter en live et partager. C'est vrai qu'après c'est bien de sortir des disques et je dis pas que j'ai pas envie, d'ailleurs je suis en train de préparer ça, mais c'est important pour moi d'être sur scène. On donne, on vit, on échange sur scène. Question, alors je vous ai vu, moi j'adore votre, j'ai envie de parler de catwalk, ce pas de chat très félin, je ne sais pas si vous en avez conscience, non. Mais ce pas de chat très très félin, comment est-ce qu'on arrive justement à garder son corps dans l'espace, dans la scène? Il y a eu un coaching, comment s'est passé les répétitions? Vous avez eu des gens qui vous ont entouré, coaché? Alors, quand on a... Il y a des danseurs autour de vous aussi, hein, il y a toute une troupe. Quand on a créé le spectacle, c'est vrai qu'on m'a appris beaucoup le maintien
à marcher, à me déplacer. On a une maîtresse de ballet ici qui s'appelle Jane et qui nous aide, surtout moi, parce que je ne connaissais pas, donc à me déplacer, à marcher. Et puis Franco Dragone est arrivé et a dit, oula, attention, il faut surtout pas, alors il a employé un mot, la lidotiser. Il faut pas trop non plus qu'elle soit comme les danseuses et qu'elle soit parfaite, cabaret. Donc finalement, j'ai mélangé ma patte à moi et donc qui était à la base, c'est vrai que j'ai toujours un petit côté destroy, je vais dire, un petit côté nonchalant que j'ai adapté. Puis à force aussi de regarder les danseuses autour de moi tous les soirs, je pense que si vous seriez venu il y a un an, je ne marchais pas comme je marche aujourd'hui. Mais à force de voir les filles autour de moi, de prendre confiance en moi aussi sur la scène, c'est vrai que je deviens un peu plus sensuelle, un peu plus féminine et donc du coup... Voilà l'explication de ce pas de chat. Un peu plus fatal. C'est une C'est de vos ça. facettes. Mais je ne connaissais pas. Alors qu'on découvre. Bon, écoutez, alors en tout cas, moi je suis ravi. Alors il y a Angel, cette chanson, j'ai compris que c'était votre chanson coup de cœur. Est-ce qu'il y a d'autres chansons coup de cœur qui vous retournent les tripes? Angel et Diamond. Le lustre, le moment où je passe dans le public et c'est une chanson voilà à voix un petit peu à la Adele, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Skyfall et mais je les aime toutes en fait, mais c'est vrai que Angel, Diamond et Boys, je vais dire, c'est vraiment mon style, ma came quoi. Ouais, on va oublier Adèle, Amy Winehouse, on va penser à une voix, à la Manon, parce que Manon, c'est Manon. C'était William Arlotti pour le Fashion Post. J'étais ravi de vous rencontrer dans votre loge. Je vais vous laisser maintenant vous préparer. Et j'invite tous les lecteurs, les lectrices du Fashion Post à venir au Lido, parce que ça twiste. Et avec vous, Paris est une merveille. Merci Manon. Merci Et à je vais vous. vous embrasser, parce que vous êtes Merci charmante. beaucoup. Merci. William Arlotti pour le Fashion Post.